Et bonjour tout le monde, c'est Rix Project, on se retrouve pour la suite de Ghostwire Tokyo. Et comme vous pouvez le voir, il fait un temps dégueulasse. Mais c'est quand même plutôt bien fait. Quand même plutôt bien fait. Bon. On va se rendre à l'étage. Ok. Et on fait comment? On passe par ici? Par où qu'on doit aller? On va voir en faisant le tour. Est-ce que je vais pas vider? Je ne suis plus sûr si j'avais des. Il a vraiment une drôle de façon de faire le numéro quand même. Ouais, bon, même si j'ai qu'un seul esprit. Allez hop. Voilà, oui. Oh, donc, entre temps, j'ai fait un peu de chasse aux esprits. J'ai un peu voyagé dans les zones qu'on avait déjà dispo pour voir. Il y a des lieux pour y aller, c'est la galère. C'est vraiment du parcours. Mais c'est cool. Ah, l'ambiance sonore est bien foutue. L'ambiance sonore est vraiment bien foutue. Ça, on pourrait dire ce qu'on veut, hein. Le jeu c'est pas un triple A, c'est clair. Mais c'est quand même soigné. Comment on fait déjà pour s'accroupir? Ah oui, ça. Bah justement. On va essayer de passer ni vu ni connu. Vous montez à l'étage. J'ai bien, faut monter à l'étage. Eric, c'était bien la belge une fois. Tu dis que tu dois monter en haut, descendre en bas. Monter à l'étage. J'aurais du mal à monter ailleurs. Enfin si, mais dans ce cas, le terme montée n'est pas utilisé dans le sens de mouvement pour aller de bas en haut. Quoique, selon la position, cela peut varier. Oh, putain. Ah, je suis désolé. Hein, mais c'est... Il y a des âmes en peine. C'est quoi ce changement de son? Ah, c'est Anya qui parle. Ici toi. Oh! Et ils font des attaques kamikaze? Est-ce que je peux passer par ici? Voilà, d'accord. Oh! Discrétion, discrétion. On va s'occuper de l'écolière. YOLO! C'est un marécage, hein? Ok. Ok. Les capas. Bonjour. Chère chaotique là-dedans. Enfin, chaotique là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a à acheter? Que de la bouffe, je m'en fous.
Je mange ce que je récupère dans les poubelles, moi. Wow. C'est joli. J'ai jamais mis les pieds au Japon. Mais ça donne pas vraiment envie, non, en fait. Qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que je raconte? Ça donne envie? Non, non, non. Alors bien sûr, donc, comme je vous l'ai dit, j'avais un peu cherché des âmes, ce genre de truc, donc je me suis fait un peu de pex et j'ai accéléré la capacité à extraire les cœurs. J'en ai profité. Alors, les munitions secondaires, les capas. Alors, c'est bien, mais je le fous, le concombre. Je me le fous dans le fion. Ah, je peux aller dans la flotte, d'accord. Ah, c'est bien un capa, ça c'est clair. Vision spectrale, je sais même plus ce que comment on fait. Ah voilà. Ah, les petites missions comme ça, c'est quand même sympa. Alors les capas, pour ceux qui ne le savent pas, donc en dehors du fait qu'ils aiment les concombres, et ils aspirent votre âme par le... Voilà. Donc ils aiment les concombres et ils aiment aspirer les âmes par le trou de balle. C'est quand même original, hein. Voilà. Et j'ai un Magatama gratos. Comme quoi, faut pas emmerder les yokai. Ah, je vois pas de quoi tu parles, non, bien sûr. C'est pas une bande de lycéennes. Hop là. Ah si, c'est une bande de lycéennes qui va me défoncer. À moi. Wow! On va manger un petit.
Thibaut. Il n'y aura pas de la bouffe quelque part. Parce qu'en fait, là, je crois que je viens de faire une fight débile. Bon, on va récupérer de l'énergie, tout ça. On va aller au 8ème. La terrasse, ça doit être tout au-dessus. Oula! Oh le gros gars là. Oh il est gros. Regarde ailleurs mon gars. Je n'existe pas. Je ne suis rien. D'accord, il était gros celui-là. On va se faire du fric et on va aller plus haut. Encore plus haut, toujours plus haut. D'accord. D'ailleurs, à quoi ça ressemble le décor vu d'ici? Alors, c'est marrant, avec la brume, on a l'impression que la ville est sous eau. Pas mal. Pas mal du tout. Voilà, je récupère. Je monte. Toi, l'hôtesse à tête de papy, tu me... Je le sens pas du tout. Récupération du portail Tori. Yashiro ni nani ka nai ka? Shirabete oku yo. Shigatari da na. Sanctuaire. Alors, ce que je trouve assez fou, c'est que il n'y a pas encore une boss. Il doit y en avoir, hein, c'est dans ce jeu, faut pas déconner. Je suis un peu étonné. On va d'abord choper les esprits.
Taillissement étourdissement. Une fois lancé, les taillissements immobilisent les visiteurs à leur portée pendant une courte période. Cependant, certains visiteurs puissants sont immunisés contre cet effet. Utilisez avec précaution. Oh, c'est cool. Ok, et je fais comment pour les actes? Ah. C'est bien, mais... Alors c'est cool, hein, mais... Son résistant va faire que j'augmente les pouvoirs parce que là... Si Madame Ciseau me donne du mal... Alors... si c'est bien par là. Alors, compétences, est-ce que je peux améliorer? Augmenter la vision spectrale. Ici. Augmentation de l'attaque chargée. Attaque chargée. Je m'en fous un peu des attaques chargées, c'est ça le truc. Augmenter la vitesse de l'arc, je m'en fous. Torsion de l'esprit. Bref. Rien de foufou. Écoutez, on va prendre ça, hein. Récupérer de la santé quand on prend. Quand on attrape un cœur, ça peut être bien. Mais le mec il est tellement... Le mec c'est tellement un blasé. Wow 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 wow. On va essayer de la choper. En mode fufu. Sauf que je peux pas. Allez. À moi. Alors en un sens le jeu il est quand même reposant je trouve, parce que bon, bah, on collecte des esprits, ceci, cela, moi je trouve ça sympa. Oui toutou, c'est bien, j'ai pas le temps de jouer avec toi.
file-moi ton cœur. Ah là pour moi c'est mal senti, ça qui est bien. Ok, donc on a un Tengu ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh bordel. Non, non et non. Celle-là, est-ce que je peux... Voilà. Tu ne feras rien. Oh. Ok, 10 PV, c'est quand même pas mal en fait. Voilà, alors. Hop là. Discrétion, tout n'est que discrétion. Et on chope le Slenderman. Voilà. Allez, on remet quelques âmes, enfin quelques esprits. Ok. Yes, de la bouffe. De la bouffe qui a traîné sous la pluie et dehors, par ce froid. Elle doit être dégueulasse. Mais j'ai trop faim. Hop là. Capitalisme avant tout. Je sens que au sommet ça va pas être joyeux. Ah tiens. On va essayer la manière douce. Ceci est ce qu'on appelle la manière douce. Tiens de laisser un... Wow, wow, wow. Oh l'enfoiré.
que je prenne un coca, voilà. Alors. Oh. Oh. Et le cœur, il est où? De l'autre côté. Ah ben tiens. Ah d'ailleurs, c'est chelou de l'autre côté. Il y a un cours, il y a une espèce de tempête à l'intérieur. Bon, je vais avoir encore assez de bouffe. On va le choper, allez. Voilà. Oh, c'est un toit, une piscine sur le toit. Allez, go, 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 go. On va y arriver. Je sais pas où, mais on va y arriver. Un chapelet. Chapelet du vent. Accès à l'onglet chapelet dans le menu inventaire. Essayez de vous équiper de celui que vous venez de trouver. Oh! Merci. Cool! Je me demande s'il n'y est pas vraiment passé en fait. Alors c'est cool, mais du coup moi je dois regarder, je dois trouver quoi? Là, je peux pas regarder plus haut que ça. Ok. Y'a que ça? Ah. Voilà. On va aller dans les... Il sait qu'on le regarde. C'est une blague. Ah, c'est flippant. Il va dans le métro. Oh non, pas le métro. Vers leur base d'opération. Alors la question c'est, est-ce que je saute d'ici ou pas? Ouah, pouf. Oh la vache. Je suis où là? Pas réalisé qu'il y avait ça ici.
Ah. Il y avait un nouveau, tiens. Oh mais il me gonfle. Ici toi. Fou. Application club de 1, on s'en fout. Bon, d'accord, d'ailleurs. Il y a rien d'autre en bouffe dans le coin, non? Ce jeu est une immense partie de cache-cache. Oups. Voilà, voilà. On va remettre ça ici. Attends, faut aller au souterrain de Shibuya. Level up. 10 points de compétence, cool. Alors, qu'est-ce que je peux apprendre? Ah, nouvelle mission secondaire, gagne, on s'en fiche, merci. Ah, il me faut beaucoup plus de points de compétence, on va les garder. Ok, le mec en fait il veut que tout le monde devienne un esprit ou un truc du genre. On s'en fout. On s'en fout, mon gars, t'es complètement siphonné. Mais c'est bien, le rythme du jeu est plutôt sympa parce que c'est pas excessivement soutenu ou ce genre de choses. C'est assez cool. Bien, écoutez, je crois que là, c'est le moment idéal. C'est le bon moment, on va faire un arrêt, on va s'arrêter ici pour cet épisode-ci. Donc le rythme du jeu est franchement doux, d'une certaine façon, je trouve. Je veux dire, c'est pas... Il n'y a pas une course contre la montre effrénée avec des tas de trucs qui arrivent tout le temps. On est vraiment dans quelque chose de plus posé. Et en soi, je trouve que c'est pas désagréable du tout. Parce que du coup, on peut profiter, on peut se balader dans la ville, ce genre de choses. L'open world n'est pas spécialement gigantesque, hein, on est bien d'accord quand on voit la map. Mais ça reste riche. On peut passer 3-4 fois devant des petites ruelles sans même faire attention, alors que dans la ruelle, il y a quelque chose d'intéressant. C'est très chouette, j'aime bien. Allez, ça sera tout pour cette fois-ci, voilà, c'est là-dessus qu'on se quitte. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Ciao !